Jeudi 14 juillet 2022, Bandeko Balandia, Africa Cool Télévision, Mbote Nabino, Matons na fidélité et confiance dans notre programme Nabiso. Merci de continuer à encourager Biso dans Msala Oyo Tozo Sala. Biso toi ka liboso Nabino. Ce qui est actualité et Zaline to Vandeli yango autour de la table. Soit au Vandi na Messana invité dans Nabino Bo Vandili Boso ya ba télé, Nabino ya ba ordinateur, ya ba téléphone pour que tu analyses ensemble avec invité pe sa makanisna. Et puis Bino pe bo pe sa makanisna Bino nanzela ya ba. Commentaire voilà mokolo ya lelo na yambeli bino mwana mboka Michel Mangala moko na Katia plateforme la muka ndeko Michel mbote na yo boye malam na plateforme Africa Cool. Merci maman, merci pe na bandeko bazoli bako ko landa biso ndengo tukoloba parce que bazo mérité respect et honneur du fait que mutazo tango na ye ayoka oyoyo zoloba donc faut qu'on a respect bele pa ya batwana na pese wa mbote bisika bali. Voilà, merci beaucoup. Biso peto pese mbote na bandlandinyo sur Africa Cool Télévision lelo tozo sa la cliente spéciale na balandinyo sur Africa Cool Télévision o bazwami na ngambo ya Sidoubangi ndeko Michel avant to kené makambo nyonso ba sujet actualité ba question eza tale bele mais to kende na Sidoubangi o eza bongo grande province de l'Équateur baza lelo na un nouveau gouverneur o yaza petit fils ya le maréchal Mobutu na kombo ya Malo Mobutu point de vue na yo par rapport ya élection na et puis retour na gestion ya mboka na biso par les Mobutu. Merci maman. Na saluer d'abord Bisika Azali, ce qui a aux Alibaba. Malo Mobutu, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, Malo Mobutu, je connais. Bisika Azali. Totali toza komona yé maloté. Mais nous voyons Mobutu en travers Malo. Là où Mobutu a échoué, c'est à lui maintenant de corriger parce que aujourd'hui, ceux qui ont tali Makambu Malamu, Nenge Otambola, les gens sont en train de regretter Mobutu. Le fait maréchal Mobutu. Parce qu'à l'époque de Mobutu, un petit Rwanda, un petit Ouganda, Bakoka qui kosaka en abiso République démocratique du Congo. Voilà. Les lots ceux qui ont sali sondage, maman nga natinda abino, botia micro baladeur, Bokoyoka. Mobutu a zaki na part ya mabe, ya gestion. Père Zaki Pena part ya malam, ya gestion Oyo, ya dirigeant Boka. Et Sengeli le to mona Mobutu na côté malam. Maintenant, le génération Oba Koya, Malo, Ndeko Malo, Mobutu Ndenge Aye, Azwa a capitalisé Oya malam ya le fait maréchal Mobutu. Maintenant, a corrigé Oyo ya Mabe, le fait maréchal Mobutu à Salaki. Obi Sidoubangi. Ils ont effectivement ils ont province Mounene, mais État et province ils ont qui mal ils ont mal à monter. D'ailleurs il y a une université, n'est-ce pas? Oyo Mobutu à Tonga. Et c'est là inachevé. Une fois j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, n'a regretté qui m'a casse. Bamatiti et Boti. Et ça qui université moi que nous appelons sa valeur. Même résidence. Résidence naïe moko parce que si dans d'autres pays, si dans d'autres pays, même à Tabalinga qui que état et ça qui résidence à Mobutu. Mais on pouvait même que pas bon sa résidence. Et comme ta site touristique. Et comme parce que le coin à Mobutu à ça là, vraiment tu vois nous les Africains, bon nous les Congolais en partie. Tous en a culture y a qu'au garder bah le côté. Mais tu comprends que, ah, et le coup, il y a des gens qui sont allés à la boîte. Or, ce n'est pas ça. Ce qui est à Kéa, qui n'a pas voilà. Donc, ce n'est pas ça. Il faut que tu aies pérennisé bien Abisso. Attends, il y a des gens qui sont d'accord. Parce que, il y a l'État, vous êtes obligé de faire ça. Ce que vous avez dit, par exemple, il y a des gens qui sont allés à la boîte. Soit qu'il s'est justifié, l'État a récupéré. N'est-ce pas? Et comme il y a l'État, vous comprenez? Donc, et ça peut être ma il y a battu belé, pe ba bien bazan ango, tobi justification nango te. Un jour le régime o ya solo, ba ko questionner ba so ba tonga bilo ba zo mbongo wapi. L'état peut récupérer ça, c'est pour l'intérêt de la nation. De la nation. Voilà. Donc te souhaiter y bon vent. Asamsa malamu. Biso to ko senga toujours et pas naye à corriger place ma bezalaki parce que c'est l'honneur de Mobutu qui en dépend.
Voilà, merci beaucoup Ndeko Michel, analyse Penza Malamu. Nous espérons que Ndeko Malo Mobutu a cause à la Penza à la hauteur, il y a ba responsabilité pe ba défi oyo eza bongo causé la ndenge biso to lela kaka ka renouvellement de la classe politique, renouvellement courageunir la classe politique tant que tout monde ba jeune ba ye bazo so ba place il y a bien eza Penza kito ko makasi Ndeko Ndeko Michel, tolo tokolobela nayo likambo etali congrès oyo esidé eza kosala kuna na ngambo ya Kisangani. Yebisa avant tokota na ba détails nyonso, pourquoi les choix ya Kisangani? To yebi ke esidé base na ngo siège na ngo dala awa na Kinshasa po na nini choix ya Kisangani? D'abord esidé eza parti moko eza implanté sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Kisangani eza na kati ya mabele ya Congo. Et puis Kisangani ezali mboka moko historique. Pe Kisangani ezali pour que to essayer à ko encourager nos frères. Ko bosana te guerre ya 6 jours. Il y a des familles oyo bakenda ko perdre bande ko na bango. Il y a des familles oyo batikala na pasi. Et il y a des gens oyo baza ba victimes ya bitumba oyo ya 6 jours. Alors nous devons fortifier nos frères parce que ils allaient au Congo. Kokamwate pe un jour to okene na Ituri. Hein, et veille populaire ko kene na Ituri. To ADD Congo ko kene na Ituri pona ko sala congrès na yango ainsi de suite parce que ça m'a belé na biso. Donc to monaki ke esa stratégie moko électorale te na semana to ebi ke to tsika li a quelques mois ya année électorale stratégie électorale la pré-campagne te bon non même partout on peut faire ça, on peut faire bako ça la congrès wana partout, même na Lisala na Bumba kuna bako ko sala yango, même na Ituri comme je venais de dire bako ko sala yango. Donc il faut que mona ke comment on a angle wana te mona na angle moko que congrès ya SID et ali ko salema ba ke sala ngona maboko na to sala ngona étranger te mais to sala ngona kati mboka na biso Congo. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi les congrès maintenant là? Pourquoi les congrès? Objectif nango eza penza nini? D'abord congrès oyo ya SID ba tia ngo sous l'impulsion ya l'unité ya bomoko ya bosangani. Il faut que bana ya Congo bazala ini parce que oyebi que ba ennemi ya mboka na biso bazo même ma politique qui a divisé pour mieux régner. Donc et singeli ke biso bana ya Congo toza la distraite parce que Mouini a multiplié ba stratégie na ye pour que aye ba ko conserver pouvoir et na kata conservation na lingi ke akabola biso. Pour tant que Kabula biso bango ba okota ba ko poser ba acte na bango et en plus il faut tous à la ini du fait que omoni depuis Lumumba akufa depuis Baboma Lumumba bato nyonso bazo bo konzina sima kino lelo bazali na émanation ya peuple te ce n'est pas le peuple qui les avait désignés pour que bakamba mboka. Baza batu oyo bazoza la manipulé na une partie ya communauté internationale na ba voisin na biso ya l'est. Alors il faut que toza la ini pour que to lo ba non na ba pratique wana parce que yango nde mutoza na base ya division du fait que bato yo bazo kamba baza na émanation ya peuple té baza na émanation ya une partie ya communauté internationale et nos frères de l'est ba pays de l'est. Il y a un peu de que il y a une pression sur Mboka Nabiso. Alors, au lieu de servir le peuple, il y a un servir le pays où il y a un peu de temps. Il y a un peu de toujours à Kulala. Congo, moyen que Kende Liboso et Zalite, moyen que tout ça libre de penser Nabiso et Zate. Tu vois, Lumumba avait dit des choses na ba colon avait dit des choses na ba to ba linga kike ba kanga économie na biso ba tia Congo sous assujettissement moko en fait que Congo se développait Lumumba était libre de dire des choses, libre de défendre aussi des choses.
Vous comprenez? C'est pourquoi ça li kememie na liwa, mais ezali bitumba to koki kotika te. Yango moni ke l'unité pe conscience ya bato ifsingi ke ezala tozala ini tozala bomoko pour faire face na ba situation wana parce que ezali combat. Ce qui peuple congolais moko a telemité pour dire non à toutes ces pratiques, bato wana ba ko profiter toujours ko dominer biso. Bazala toujours wana pour que bazwa oya biso et nous on va rester tout simplement ya kokenda ko replenicher ko lelaka lelaka. Yango omoni que pour que Congo etambula, il faut tous ala ini peto luka leadership fort, per clairvoyant pour que Congo na biso e koma pays oyo ya lokumu, ezonga pays ya lokumu. Ils ont une dignité et une valeur dans son maman. Voilà. Ndeko Miché, avant de continuer, l'élément Oyo, dans le sein régie, je vais vous donner une vidéo Oyo y a Martin Fayoulou na Kisangani et puis tout le monde juste après ça. Voilà, merci à la régie de commissaire Outi Kolanda vidéo wana. Tout comprendre Penzani po mutunyo so a rajouté la vidéo wana. Apparemment et a interprété selon mutunyo sont interprétant selon ba tendance politique. Non, maman, omoni avec magie en ligne hein. Maman va changer les magie internet. Ba changer pe ba kosa ka histoire te. Omoni mutu so za na mafuta ya Nzambe. Partout il va aller. Omona ba manifestation. Ya eloko wana olandi bana ya Kisangani bazo koyemba bango moko to vota Félix Tshisekedi te mais to vota nde yo to vota Félix Tshisekedi te to vota madame mais tous partout madame partout voilà, on a passé partout on a passé Lisala Mbandaka Bwende Bandundu partout. C'est le même discours. C'est le même discours. Donc, madame, oyebi, na koyeb se lo moko. So ko pesanga temps. Na décortiquer yo likambo pour que o comprendre. Allez-y. Lelo Fayoulou représente l'image de ce pays. L'incarnation y a leadership éclairé et fort. Scientifiquement parlant, je peux vous démontrer ça. En épuisant deux théories, les théories stratégiques et les théories comparatives. La théorie stratégique, parce que la théorie veut qu'on analyse les acteurs et leurs actions concrètes. Et aujourd'hui, les acteurs, ce sont les abanani. Ce sont des leaders. Félix Tshisekedi, Bemba, Katumbi, Mozito, tout ce monde-là, Vital Kamerhe, ce sont des acteurs au niveau politique. Oyo, et c'est qui est analysé par action na bango, par action concrète na bango. Comme, oui, Kabila. Vous comprenez? Dans l'analyse comparative, ce que tu as comparé ma action à Bango, au moment que Fayoulou reste inique na comment dirais-je, inique na Jarnaye. Il est différent des autres leaders là. Sur le plan, je suis en train de poser des faits pour que expliquer. Je vous laisse le temps de vous expliquer. Exactement. Exactement. Je prends un cas. Je prends un cas, madame. Sotali, environnement politique, ils ont dégagé na trois tendances. Environnement politique, il y a République. Il y a République démocratique du Congo. Il a dégagé na trois tendances. FCC, Union dite sacrée et la Mouka. Entre parenthèses, la Mouka. Il n'y a pas question d'entre parenthèses. La Mouka, c'est l'esprit du peuple.
Voilà. Et celui qui incarne l'esprit de la Mouka, c'est Martin Fayulu. Voilà. Donc, en quoi Fayulu est différent des autres? Exactement. Je prends un cas. Mouzito comme un acteur politique. Un cas isolé. N'est-ce pas? Dans le sens que n'est-ce pas qu'il y a l'élection en 2023. Donc, Mouzito a là, comment dirais-je, un élément isolé. Dans le sens que dans le sens que nous avons eu le dégagement, il y a trois tendances. Et Mouzito, comme un cas isolé, n'est-ce pas? Il est. Donc, Aza. Acteur direct était. Acteur direct ici, na trois tendances, awa, c'est Fayulu. Alors, c'est un cas isolé dans le sens que, au moins, que. Pour que a créé qu'est-ce qu'on dit? Notoriété. Notoriété, naïe, n'est-ce pas? Il faut que a créé. Moi, Zizani Mokobo, d'abord, on a au sein de la Mouka. Malgré que c'est lui le coordonnateur, maintenant, on crée quelque chose pour dire que non, Fayulu, Bazan Akatia, bloc patriotique avec Kabila. Mais eux-mêmes savent que. Pour que alliance nini comment coalition moko ezala, il faut procéder par des alliances. Mais lui-même sait que on n'a jamais signé alliance moko na Kabila. On a continué à mbola muka. Non non, je suis en train de vous démontrer. Nazola Kisayo, attends, vous avez besoin de démontrer sa particularité au fond. Il y a Nazola Kisayo. Par rapport à les autres politiciens congolais. Nazana kola Kisayo na okene cas par cas. Nasili sana ola kiso na okene cas par cas. Bon ma continue mbola muka parce que ma question. Na ko solo ma kambala muka madame. Ah voilà. Na okete okene pas par cas, cas par cas. Oh. Mozito oublie. Ou soit les autres qui soutiennent que Fayulu oh bazan na kata bloc patriotique na Kabila. Mais je suis en train de poser cette question auprès de tout ce monde là. Madame Oyebi na 2016. Ah, à cette époque là, je pense que na 2016. Tangu l'opposition bazaki na position de faiblesse. Y a eu l'église catholique. Ou akene ki kokusu ko réanimer. Bah parti et bah parti à opposition. N'est-ce pas? Oyo Kaboun Arwagi to Kaboli 50-50. Voilà. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des partis politiques Oyo et Sanganaki. Ils ont la MLC, ils ont la INC, ils ont la SID, tous IDPS. Est-ce que dans les partis politiques vous avez vu alliance moko ou accord moko signé? Ils ont qui signé? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était rencontre par circonstance pour que ton milité sur un problème où il y a tricherie à ce qu'on s'annonçait. Mais ce qui fait la différence, c'est quoi? Bande Konabiso, il y a nouvel élan, au biso tout ça, Kamoko s'élève pour dire que non, Fayulu, baza ensemble, na Kabila, ou un discours na bango. Donc, tu vois, écueillez un peu moi, Zizani, quand on dit que c'est un élément isolé. N'est-ce pas? Oh, maintenant, si tu as, par exemple, là, car par exemple, il y a M. Félix Antoine Tshisekedi. M. Félix Antoine Tshisekedi est hors course encore. Pourquoi? Du fait que il a donné des promesses auprès de la population. Il a dit des choses. Oh, il y a réalisé. Aujourd'hui, l'insécurité est venue dans Mboka. Impuissant pour résoudre des questions de l'Est. Un puissant pour donner des solutions na plan na ya nini ya, comment dirais-je na social ya peuple. Un puissant pour que santé ba congolais a malamu et ainsi de suite. Bon, dites-nous akokoka ndenge nini de façon que peuple wana lobby ba pesa sous confiance nulle part. Voilà. Jean-Pierre Bemba. Non, c'est la cas particularité Fayulu. Yango yango nazabani ko pesa la particularité. Donc, parce que je suis dans l'analyse stratégique et je viens de faire la comparaison, n'est-ce pas, quand je vais
tant na roba pona fayulu mutoko la le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Le président Jean-Pierre Bemba d'abord hein, avec la loi organique sur Makambo ya Nini ya Seni. D'abord il est empêché n'est-ce pas pour que tia candidature naïe. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses du fait de bon nako sans savoir pena katumbi mbala moko du fait yakotika population pour embarrasser régime oyo en place n'est-ce pas oyo peuple congolais a pas si confiance était kino lelo il y a déjà un problème donc il est difficile pour que peuple wana a renouvelé confiance naye et pas na bango n'est-ce pas selon vous. Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est vérifiable. Allez-y, après c'est vérifiable. Après Bemba Katumbi. Mais Nazwa Mutuluko là, le président de l'INC, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, d'abord, il le salit. Même si Balobi Kebala veille ainsi de suite. Mais on nous a fait croire ici que Mbongo est 100 jours de Bungaki. N'est-ce pas? Ouais. Mais Mbongo wana ebunga. Mais Bolobi ke mutu azali ba la veille azana e innocent parce que preuve zate. Mais Mbongo ngone ke wapi? Si tu vois encore Mutokola qui ndeko Félix Antoine Tshisekedi. Kabila. Te olobeta ya fa. Na élément que za nga pona ndeko Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Avec cette histoire de RAM. Pepe Congolais za na posa ayeba. Mbongo ya RAM et sali nini pe ke wapi? Nous ne sommes pas des dupes, nous sommes des gens sérieux, des intellectuels, nous réfléchissons. Et ces histoires que je suis en train de vous dire, Ezalina Maloba, Maloba Yaba Kongomani, ce sont des Congolais qui sont en train de dire ça. Vous comprenez? Mutrokola Ndeko Kabila. Mais sa gestion lui-même, où il a dirigé Mboko pendant 18 ans, et ça quoi qu'ils aient. Il y a 5 chantiers, il y a une révolution à la modernité. Mais 5 chantiers, c'est le Congolais qui a été. Mais tout le monde a kaka, na époque, na ye, les gens sont devenus des riches. Plus que l'État congolais. Mbongo wana bazo ango wapi. Ye gestion est disqualifié. Donc, tu vois, tous ces éléments-là, parce que je suis un peu gentil, moi, je suis un peu gentil. Mais maintenant, Mutuluko là, Fayulu, comparativement à ces gens-là. Mais on saute Mouzito. Pour au bête, on suit que c'est dans Fayulu. On saute Mouzito. Ah, merci. Il n'y a pas un candidat, il y a un candidat qui a décidé. D'accord, tu n'as pas dit que prenons le cas maintenant, Mouzito. Mouzito dit. Oui, Mouzito dit. Il parle des chiffres. À Matsaki croissance, on a 4% ou. Cadre macroéconomique. Cadre, tout ça. Mais. Il avait augmenté le budget Tina 3 milliards et quelque chose de pareil. Mais. Aujourd'hui, Mouzito dit que lui. A quoi qu'il y a Kabila. Mais tandis que lui-même a travaillé avec Kabila. Alors, que Kabila a salamé la moutée. A géré un boko mabi. Mais lui a géré avec Kabila. Est-ce que vous comprenez, madame? Oh, a salamé Matisaki chiffre ainsi de suite. Mais chiffre en quoi Matisaki l'impact na assiette yaba congolais à la kinini. Et aujourd'hui, le pays est où? Parce que ce qui a géré qui malam, mboka ingezala. Madame, mais comment vous pouvez condamner Kabila? Vous-même, vous ne vous condamnez pas parce que vous avez géré ensemble avec lui. Mais quand nous, on était encore à l'opposition, il n'y a qu'au bundi sa Kabila. Tu n'as pas qu'au bundi sa. Je suis il y a Mouzito. Parce que Bazalaki Lisangabo, il était son premier ministre. Mais aujourd'hui, si Mouzito commence. Il y a qu'à s'apprendre na Kabila, n'a aucun moi. Et maintenant, pour que Aluka notoriété naïe, il faut maintenant à cause devant la population voilà. Que Fayulu a sangani na Kabila. Voilà. Mais on nous montre l'accord pour l'alliance signée entre Fayulu
Et Kabila. Tant que ça n'a pas eu le ma question est à penser particularité ce qu'il a fallu na banaki ou pas na particularité donc on a musique il peut pas parler hein, Fayulu est sans tache. Ah, mais je vous dis madame bon on m'a embobié bon à Kimbuta on est à ce qui mais écoutez je vous donne la vidéo il y a Mouto Azala qui président de l'assemblée provinciale non Nsingit lui-même a témoigné il a dit des choses donc Lukuta tu sais, beaucoup de temps bataille des pèses. Oh! Ah, pour que ba créer le mot. Oh, tu parles pas qui est non? Oh, Fayulu Azali, Sénégalais, hein? Le mot à Bongo. Vous comprenez? Donc, oh! Mais écoutez, ma vidéo Azali, prenez vidéo à Tsingi, tiens, on a. Parce que ce qu'il y a dans les commentaires, il y a un chien qui a dit fait que Azali proche à Fayulu, Azali Moutalamouka, a aussi un commentaire sur Fayulu. Donc, Fayulu. Ali leader il y a une nouvelle classe politique. Mais je vous dis, quelqu'un, Azali Pembe, est-ce que Bomona t'a tenu naïa la taate? Partout il passe. Partout il passe, Bomona t'a tenu à la taate. Pembe. Il a Azana Aïba Mbongo ya l'étate. Atonga na Mbongo ya l'étate. Mais na mouto ki naye. Ou ya travaillé na mobile. Quelqu'un qui vient de Néa, quelqu'un qui est resté na Tiangou, mais Lelo, il est où? Na Gombe. Na carré, donc, na carré, pena ya Gombe. Na katia carré, donc, place où yo penza, ba institution evandi. Na Gombe solo. Na Gombe à solo. Mais, Aïdi Mbongo ya l'état. Madame, toi, ça l'a sérieux. Voilà. Moutouazi Mbongo ya l'état. Mais par contre, Misolona ya zon ya kotoka. Namutoki naye ako sali sababola ako lingamboka oyo dignité ya ba congolais pe dignité ya Congo ezonga imaginez mutu lokola Kabila ya ko pesa ya offre habité tozonga na légalité parce que élection salemi ba congolais nde ba votenga soki yo za na posa ke na protéger yo tozonga na constitution déjà loi sur statut ya ba ancien président eza ko protéger yo Kabila bangi ce que za yi mutu mususu tapis rouge amoni honneur anga kende mais pour intérêt ya Congo pe intérêt ba congolais il a dit non tozonga na molongo nous avons besoin de tel leader donc qui peut dire non na Kagame qui peut dire non na Museveni, qui peut dire non na Macron, qui peut dire non na Poutine, qui peut dire non na président américain. Joe Biden. Pour l'intérêt du Congo. Voilà. Toi quand tu as directement dans Marambu, il y a la Mouka. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Parce que, en tout cas, bon, mango il soute, c'est officiel. Et on en a déjà qui n'a qu'à la Mouka. Il y a malaise, il y a penza makasi. Il y a un, ça ne va pas entre les deux leaders. Oh, il y a un tête d'affiche, il y a la Mouka. Maman, qu'est-ce qui se passe entre Fayulu et Mouzoutou? Maman, alliance moko éternelle. Fayulu s'est dit candidat, il y a SID. Mouzoutou s'est dit candidat, il y a Nouvel Élan. Alors que tu as vu que Brandon se pose dans la 4 plateforme, il y a la Mouka. Qu'est-ce qui se passe? Na boite, madame. Et ça, l'alliance moko t'es à l'éternelle. Alliance nyonso. Eko kiko botama. Eko panzana. Eko koufa. Eko koufa quand les intérêts nous divisent. Voilà. Mais. Madame, la Mouka, ce n'est pas les individus, madame. J'ai fait les émissions avec toi, ici, na plateau Oyo. Kala, je pense, depuis 2019 ou 2020. Oh, tout ça, émission, nana yo. Même si la Mouka, ce ne sont pas des individus. La Mouka, c'est le peuple. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, madame. Donc, aujourd'hui, Mozito peut partir. Fayulu peut partir. Mais la population, parce qu'on attend Michel Mangala, on est dans ça. Et l'autre, Pamba, Moto Pamba, va tomber. Parce que c'est le peuple. Donc le peuple se retrouve dans le mouton pour défendre l'intérêt de Bango. N'est-ce pas? Oui. Parce que le peuple n'a besoin de souffrir. Madame, nous souffrons. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans la bourgeoisie. Il y a des gens qui se trouvent. Dans l'honneur, sur l'honneur, et tout, et tout, et ainsi de suite, pour que, bah, mon aïe, bah, ben, y'a mon pao, bah, ben, aïe, chef, bah, pèse, bah, honneur. Mais, il ne voit pas
cause ya peuple. Ba koloba na munoko pona peuple, mais ce qu'ils font est à ko caractériser na volonté ya peuple wanate. C'est ça le vrai problème. Donc retenez, et notre peuple doit savoir, la mouka, c'est un état d'esprit. La mouka, mais c'est bazo accusé bino bazo bino lelo bozo tirer peut-être bozo tirer sur Adolphe Mouzitu Bolobi à travers na Kabila, il n'a pas droit ya koloba, il n'a pas le droit de critiquer selon bino bino de bolavaye na nenge azalaki ko travailler na Kabila et tout. Mais Lelo, lui, il est dit clairement, alobi aoutaki na liboulou, akozonga sou na liboulou te. Pourquoi bino oyo bobande komi mona ke boza place a bien bo ke ne kokota na kati bloc patriotique, bo ke sangana na Kabila. Ya boya ki na madame entrée ya ba ya bato FCC na kati ya la mouka. Madame, je crois que na outi kolobela yo awa, biso tozali na alliance mokote na Kabila. Bo bloc patriotique. Bloc patriotique ezali alliance, voilà. Bloc patriotique ezali alliance T. Bloc patriotique ezali circonstance pour que ton milité sur un point. Nenge samaki na 2006. Je t'ai donné l'exemple ici. Tant que sangana ki na 2006, allez poser la question na batwa MLC, na batwa IDPS, na batwa INC, na batwa SID. Et je pense, il y a des vidéos parce que on peut pas torpiller l'histoire. Oyo Kabund Aebisaki bino ba panzi sango. Et to kaboli 50-50 église catholique na biso ba parti politique. Bon, yebisanga tant to sangana ki po ke to combattre Kabila na tant wana. Yo mona ki alliance moko. Yo mona ki ba accord moko. Ezaki ki rencontre moko ya circonstance pour que to bunda po na mboka na likambo moko oyo e bandaki ko sa na son temps là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tant que vous avez un MLC, un INC, sur la question, oyo, il y a. Est-ce qui se souligne la question, il y a identité, je pense, je sais, j'oublie encore. Oh, maman, Eva, zoa ki lisasi, na likolo. Vous savez que moi, j'avais risqué, parce que tout ça, qui n'a pas maman Eve Pembeni, pas zoa lisasi. Tant que vous avez un MLC, qui to sina ki alliance, moko. Et ça qui va force, sangani pour combattre. Makanise sangani. Et sangani na likamona pour que tu combattre le mal moko ezala ki wana. Et ça circonstance ça qui que tu coûte na kati ya bloc patriotique. Et c'était l'appel lancé par église catholique na église SCC. Parce que M. Félix Antoine Tshisekedi voulait coûte que coûte. N'est-ce pas? Kadima aleka. Alors Batou va servir, M. Félix Antoine Tshisekedi, pour que Kadima Aleka, ils ont commencé à dire que Fayulu, Asangani, Nakabila. Mais par contre, tant au bloc patriotique et bandaki, pour madame. Vous, c'était une façon à salir Fayulu. Exactement, une façon à salir Fayulu. Voilà, continuez. Exactement, une façon à salir l'image à Fayulu. Donc c'est ça la réalité. Parce que moi, du fait que Fayulu azali pembe, comparativement aux autres. Est-ce que vous avez dit que Fachi a pouvoir bandar benye ma beaucoup pembe? Mais écoutez, vous savez. Nazaina besoin. Attendez. Particularité ya Fayulu parce que apparemment, ba politicien yon se yon mo cannabiso, soit qui a zan na pouvoir te bazar malo ba soukali, to landi même. Non, si le président de commission, to landi même devant R. Azosala, R. Ndeko Fayulu, Azosala meeting nae, alobi, soit qui a zala ki na pouvoir, ne guerre à STC si là. Mais tu ebi comment UDPS, pour ne pas dire le président Fati, tu ebi comment UDPS, biso ton nom, population yon se bandan. Madame, kosa amalgam. Pardon, s'il vous plaît. Tu ebi comment UDPS, abanda ki pe kolobaki, bah on se base du pouvoir, bah kosa la boe, bah kosa la boe, melelo, bah komi kolobaki, ce sont des promesses non réalisées. Maman. En quoi Fayulu aza différent na ba politique sousou? Est-ce que malobawana ezaka ka tepo na koluka ko flatte ba voteye? Non, maman. Il faut faire la part des choses. Papa Étienne Tshisekedi est parti avec son parti, l'IDPS. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, parce que tu as dit que Félix Antoine Tshisekedi, tant qu'on a dit qu'il y a une opposition, ne faites pas cette confusion. Comme tout politicien. Pardon, que ça la confusion en a été.
Vous avez suivi Mobake, vous avez suivi Maman Nabiso, Talakombezo qui m'a dit ça, mais Mobake, pour dire que ce n'est pas l'IDPS qui est au pouvoir. Est-ce que pouvez-vous imaginer que l'IDPS au pouvoir travaille avec Kabila? Ouais, ça m'a le banabango. L'IDPS au pouvoir côtoie Kagame. Vous avez suivi? Donc, la vision de l'IDPS, Ezaki et Paya Papa Etienne Tshisekedi, Ezaki et Paya Ndeko Félix Antoine Tshisekedi, Ndeko Félix Antoine Tshisekedi, Alati Kaka Kombo, Alati Kaka Image, mais Makanisi, Yako Jere Mboka, la vision Yako Jere Mboka, et Paya Naete, Ezaki et Paya Papa Etienne Tshisekedi. Failou, quand Failou dit que ce qui Ezaki n'a pouvoir, madame, mais guerre est ce qu'on a ici là. Et c'est vrai. Et c'est justifiable. Nadi au peso exemple moko ya mukie. Nani oyo oyo bakoki ko pesa ye pas ko pesa mais ko luka ke ba négocier pour que azwa bokonzi. Atambo na tapis rouge. Azala na honneur, azala na misolo, azala na décision. Moto na aboya. Nani? Mais Fayoulou, devant cette situation, il n'a pas vu tout ça. Mais il a vu son peuple. Il a vu sa nation. Il a dit non, il faut toujours en légalité. Ce que l'on dit, la protection, la constitution est une protection. La loi sur le statut d'ancien président est protégée. Mais pourquoi? Pourquoi? Babangi, Bakaye pas mon souci. Pour Nanini. Donc c'est pour dire que Failou c'est un leader éclairé, un leadership moko fort, qui peut dire non à Kagame, qui peut dire non à Museveni. Si Kagame ose avec ses bêtises qu'il est en train de faire là, on peut déclencher même la guerre, juste à ce que solution est comme on en a pour que le Rwanda, l'Ouganda, Kagame et Museveni puissent nous respecter. Voilà. Merci. Vous comprenez, madame? Merci de comprendre. Parce que dans Moutou, il y a Kagame, notion, il y a respect, pas ma Congolais, il y a l'ité. Voilà. Il y a un peu de Congolais. Mais il faut un leadership fort et éclairé pour dire non à ces pratiques, madame. Voilà, tout évolue. Tout le bilan insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame, pardon. Ceux qui sont abonnés, ils sont convaincus de la particularité où Failou Azadango par rapport à la politique. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, je voudrais faire donner une précision. Allez-y, 37. Tu vois, ce que je viens de dire ici, scientifiquement parlant, n'est-ce pas? Objectivement, parce que je me suis basé sur l'analyse stratégique. Qui veut qu'on analyse les acteurs et les actions concrètes. Voilà. Mais nous ne voulons pas, on n'a pas porté cette critique négative. Mais on a essayé un peu de rester objectif. Voilà. Pour que Batouba Mona clair. N'est-ce pas? Donc c'est ça la réalité. Moi, Michel Mangala, j'ai l'obligation de respecter tout le monde et je respecte tout le monde. N'est-ce pas? Mais. S'il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité. Voilà. N'est-ce pas? Cela ne signifie pas que Tozali Koyo Kanate, mais non. Lamouka est là, nous sommes en train de travailler pour des élections à 2023 et c'est clair et net. Mandat il y a Failou. Peuple appelle ça qui est confiance. Moté ma be ya bato, ba botoli imperium. Maintenant, il faut que le peuple a renouvelé confiance wana demain pour que to zwamboka oyo, to kamamboka oyo, to pesa ba solution à problème ba Congolais. Voilà. Et c'est possible, on va donner des solutions au problème des Congolais, madame. Voilà, merci beaucoup, Ndeko Miché. To zalaka na kati ya. Il n'y a pas de problème, il y a des Congolais, il y a des Zabongo, Koukou, Fana, S. République démocratique du Congo, insécurité, il y a des Penza, ils aussi la tête dans S. République démocratique du Congo, les lots.
et mon ami na miso bato nyonso implication ya Rwanda oyo abata misima ya ba M23 de komiche mokonzambo ka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tomoni azola la pongite azo voyage azo kende par-ci par-là pour na koluka ko trouver solution na kambo ya est République démocratique du Congo kuna na ngambo ya Nairobi ba kindaki ko négocier pour que ba force militaire ya EAC ba ya na mboka na biso ko bunda mais azala ki strict à lobby Rwanda a kota te tomoni ba ke na Angola ba ke ko négocier na Kagame Azala qui pensa un peu strict. Que pensez-vous na démarche na Yewana ou Bazo Sala entre la RDC et le Rwanda pour na ko trouver Kimia na S République démocratique du Congo? Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Analyse na Yusa Penzani. Madame, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ah, nde nini le sous papa. Voilà. Nini est brillé pour na guerre. Oh! Ndeko Félix Antoine Tshisekedi nous a dit que le Rwanda soutient les M23. Bokei na Luanda. Communiqué Bosali. Vous avez même pas condamné le Rwanda qui donne des armes na M23. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il y a? Le M23 vous attaque. La presse rwandaise vous dit que Makambo et Taliba M23 et Sengelez à la régler na Luanda T et Sengelez à la régler na Nairobi. Cette histoire de laïcé, hein? Madame. Bissot, Tozali na Afrique centrale. Ce que Talika a communiqué au Wana, communiqué au Esama na Kenya. Na Nairobi. Soki o tangi yango mala, au moins que bazo considéré l'est de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Local a un pays à part entière. Donc comme si bazo séparé est na ouest. Na ouest. Yango biso to koloba. Ce genre ne peut pas commencer à nous dribbler stratégiquement. N'est-ce pas, madame? Il faut les esprits éclairés comprennent et agissent. C'est-à-dire quoi? Stratégiquement, on va préparer la conscience Yabatou. Hein? Stratégiquement, on va préparer la conscience Yabatou. L'Est de la République démocratique du Congo. Non. Si l'Est est attaqué, c'est la République démocratique du Congo qui est attaquée. Il va préparer la balkanisation. Il va préparer tout déjà la balkanisation. Mais je viens de faire une émission, il y a quelqu'un qui dit non, vous voyez, ces accords-là, il faut la diplomatie parce que déjà des échanges commerciaux, il faut Banagosama. Mais diplomatie, en gros, c'est nous qui perdons. Quel échange commerciaux? Banda Katosa, échange commerciaux, tu es dans le pays de l'Est? Est-ce qu'ils ont oublié ce que Sarkozy nous a dit pour que la paix revienne à la République démocratique du Congo? Il faut que la République démocratique du Congo parvienne à partager ses richesses avec ce pays-là. Vous comprenez? Madame, à l'heure actuelle, oui, on fait bien la diplomatie. N'est-ce pas? Mais il faut, primo, du fait que le Rwanda à l'aveu de l'option de nous faire la guerre, madame, il faut déclarer d'abord la guerre avec les Rwanda. Et après, on commence à négocier, mais côté toi, au Bunda. Au moment de la Bunda, c'est comme si toi, jouais na défensive. Or, Bissofuto, ça na offensive. Vous comprenez, madame? Donc, on ne peut pas négocier dans l'état moko faible. Mais il faut négocier dans l'état mon confort. Mais tu as la moins faiblesse que tu as mambouta li mando qui non? Non, maman! Maman, ça c'est l'image qu'on cherche à vendre chez nous. Pour essayer un peu à manipuler ma esprit Nabiso. Maman, nous avons l'armée forte. Naïb Zélo, mon quoi? Paix à son âme. Paix à leurs âmes plutôt. Je vous prends Mamadou Ndala, Baouma, Mbouza Mabé. Tant que vous avez un CNDP,
bazungu se bangu tina Luanda bazai na mundu kini. Même si une partie de la communauté internationale qui soutient le Rwanda, qui ne veut pas que la République démocratique du Congo puisse avoir l'arme, comment dirais-je, l'arme essentielle pour faire face à l'agression rwandaise. Mais madame, nous sommes capables. Il y a quoi confisquer même l'arme au Tinde Labango. Nous sommes capables. Nous avons toute une armée encore forte qui peut faire de grandes choses dans la carte d'Afrique. Mais le discours, oh bah, qu'on bimise dans la carte de Monaco, pour que bah baby ça, bah faire croire, bisso, il y a discours moko, il y a domination. Tu vois l'Ukraine, hein madame? Oui. La communauté internationale demande na président ukrainien, Vladimir. A négocier na Russie. Vous savez la réponse? Il a dit non, ce n'est pas encore le moment de négocier avec la Russie. Vous savez pourquoi? Mais bien sûr! Tu vois, tant que le président Fayol nous dit que le président Fayol a un leadership faible, mais c'est vrai! Vous avez vu Laurent Désiré Kabila. Je parle bien de Laurent Désiré Kabila. Na guerre à l'Issouba, na Sassoumbesso. Obi a pas de quoi na Mabele na Bisso. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour Azongi, si le bilan est banan bayaki, gouvernement congolais en face, c'était pour Bayako Senga, pardon, pas négocier. Mais écoutez, vous, on vous agresse, mais bon, ok, ne pleniché. Oh, la diplomatie. Bon, diplomatie, on peut ok, ne toboïté. Bon, ok, ne négocie na état nini. Madame, la diplomatie à l'heure actuelle, ils allaient comme si tu as hypothéqué ma belle Nabiso. Tout ça qui hypothéquait plutôt la richesse Nabiso, et ça comme si que Tolingi, que le Rwandais, bah, y a même dans la institution Nabiso, il y a dans l'armée Nabiso, dans le service de sécurité Nabiso. Parce que toi, on a posé la paix. Bien sûr. Mais paix est cause à la tête si j'ai la domination pour Nabiso, tu as paix. Il faut que toi, tu me respectes mutuellement. Pour tous ceux qui se sont dit que nous avons déclaré que la guerre n'est pas dans le monde. Maman, continuer la négociation. Maman, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Tu sais, pour que Kagame et Museveni, je parle d'abord de Kagame, parce que c'est lui le meilleur de toutes choses, pour que Kagame parvienne à nous respecter, il faut utiliser le même théorie que Kagame. La théorie. Parce que Kagame est en train de... Kagame utilise la théorie du désordre. Du fait qu'ils ont utilisé théorie à désordre, et théorie, ils ont utilisé la théorie stratégique, Kagame a eu un côté. Parce que Namutu à Kagame habite le mal. Est-ce que nous avons le moyen? Est-ce que nous avons le moyen d'affronter les Rwandais des commissions? Pourquoi pas? Photo dans la réaliste. Rwanda n'a Rwanda zali na taille na bisoté madame. Je vous dis. Na peso ka des exemples awa Mamadou Ndala. Pe a leurs âmes na mbuza mabe. Na bauma ba bengana ki ba CNDP. Hein? Ba bunda ina armée mani. Non madame, ce n'est pas ça la question. Je suis en train de dire ceci pour notre dignité, notre respect et notre valeur. Il faut utiliser le même théorie que M. Kagame est en train d'utiliser en République démocratique du Congo. Voilà, merci. Kagame a koyoka ba négociation na bino wana te. Madame, pardon, je voulais un peu expliquer notre peuple. Tu sais, à l'heure actuelle, Oui, je termine. Tu sais, à l'heure actuelle, Kagame, ce que le Congolais va prendre conscience, la population congolaise va prendre conscience, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train de faire dans Katsa Mabele Nabiso. Alors, tant que la population va dire Koloba et Bangisi Kagame, mais maintenant, Kagame, pour se justifier, politique azanango, politique y a victimisation. Il se fait victimiser pour que la communauté internationale va croire naïe. N'est-ce pas? Et maintenant, madame, du fait qu'il se fait victimiser,
Et pour que to banga, qu'est-ce qu'il fait? Et plutôt na ko banga na zana yango, il crée les stratégies pour to kitsana mitema ya bato. Oh to kenena nu, to kenena négociation, to tika bitumba ainsi de suite. Nyon son esa politique ya endormissement plutôt, je voulais dire. Tango biso te zo croire ye, mais na moto na ye. Makanisi ya konuir na Congo esilité. Alingi ka to pesa ye confiance. A luka stratégie mon sousou pour que a joue sous raison. Donc dans tout ça, il est en train de nous pousser na erreur. A luka raison mon koboye, tant que j'ai raison wana pour au moins se rebondir encore. Alors pour que to contraindre ye pe kagame abanga pona libela, il faut appliquer le même théorie du désordre avec Kagame, voilà. Pour que Kagame ait comme un respect à la mission. Sans beaucoup. Cela, toko continue à kakaboué, bande konabiso bande rokufa. Alors, pour que nous parvenions à arriver, il faut un leadership fort et éclairé. Merci beaucoup. Il faut un leadership fort et éclairé de Komiché. Donc, clôturé dans le Kambo Italie, dossier 100 jours. Voilà, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ayamba Kibongo, les CPV, Oyo, ESA, structure de la présidence. Bayaki, balobi, na misala oyo et salama ya 100 jours, ba évaluer. Bayaki ko présente évaluation, ya misala ya 100 jours devant les chefs de l'État, bazo confirmé que, contrairement na makam oyo iloba makala banzela ki 100 jours, bambongo ibama, misala et salama te, bango balobi, au moins 73%. Ya misala esalema et puis infrastructure na kati ya pays na kati intérieur à l'extérieur et tongama na yango que pensez-vous on a sujet na soit souka madame on va toujours chercher à se justifier voilà 100% balobi 73% salama déjà mais bino bolo bako 100 jours donc mais bima ah baba tala mboko yo ba sene le gitro madame je m'excuse pour na oseka tala tu sais hein? Il faut chercher toujours à se justifier. N'est-ce pas? Obi acte ali bosso, yangone za la vrai. Yangone za la solo. Alors pour maintenant ba se cacher, il faut ba rapport ya bongo ezala. N'est-ce pas? Yebsa ba maison fabriquée ou préfabriquée ba yebsa ibiso mona ngwa. Ba maison préfabriquée d'ailleurs ko Tanzanie alobi babilo ko tsika na tuni yo tema par yom do tuna bituna yom do tuna bituna na go tuna yote na eza ba kokole ba kongomani na kanchat ba maison préfabriquée za wapi quelque bataille ça bisu na na kanchat non laissez madame laissez tu sais il faut prendre les choses au sérieux il faut prendre les choses au sérieux. Il faut condamner les choses à condamner. Il faut appuyer les choses à appuyer. 100 jours, il y a M. Félix Antoine Tshisekedi, c'était un raté. Et qu'il y a des détournements, il y a des marguer les lots, nous avons lavé, on a lavé Batou. Mais notre Congolais, notre peuple n'est pas dupe. Le Congolais n'est pas dupe. Bazon noté nyonso ezo salema. On ne prend pas les Congolais comme des enfants de 2 ans, 3 ans ou 5 ans on peut derbiler. Non. Toza na miso omona, toza mato ya koyoka, to ali bato to tanga to na boanya, pe to ko comprendre fait et geste nyonso ezo salema. Ata même sur le plan ba texte, ba koki ko aménager ba bongisi, mais justice ya Nzambe. Et que ça a été madame. Voilà. Mon amboka, Michel Mangala, n'a pas pu placer quand même un petit mot par rapport à la guerre où il a déclaré entre Gauthier Mpoi, où il a été bon président de l'Assemblée provinciale, il y a Kinshasa, Awa, et puis Bandeko, il y a UNC, tout le monde, même comité au niveau de la justice, pour la Nini, selon UNC, le lobby Gauthier Mpoi, il a attaqué le leader, il y a UNC et tout, ma camouise, le bama penza, il est un petit mot par rapport à ça pour tout ce qui ça. Madame, pour la bisoto, mon ango distraction. Distraction mounene parce que Mboka d'abord, un, ils ont un état à guerre. De deux, Mboka, ils ont un état, Moko, il y a tricherie des élections. Oyo, Bato Bazan a pouvoir, les lots cherchent coûte que coûte, va se pérenniser au pouvoir, malgré bilan, ils allaient être négatif. Et on cherche à nous éviter pour que tout parle sur toutes ces questions. Il faut montrer des scénarios. Ndeko Gauthier Mpoi même na. Je suis allé à l'Assemblée provinciale. Mais il y a flou. Il y a flou.
le gouverneur de la ville ya Kinshasa a de ko gentil a rosa yelo ko mon côté a rosa yelo mon côté mais jamais tu vas avoir comme mention moko de censure ou mention moko ya nini ebima jamais donc tout est blanc likambo oyo ya mbongo oyo uti ko bunga oyo to ago yoka ke kenda na parti politique na bango voilà likambo wana jamais ba sala même interpellation to yoka yango même ba bengsa ki non maman maman le problème maman le problème c'est quoi maman le problème c'est quoi ndeko michel ba bengsa ki ndeko na assemblée provinciale tozo mais quelle est la suite madame quand même il a été convaincu maman les allez wande ngini moni na bango nyoso ndo batangi wana et elle okola mutu akimi mbula à côté ne balé mais côté kana maite ezala ndeko godin poy ezala ndeko vital camere bango ba nyoso bazali ba élément de même nature likedi ambadi mo voilà donc personne ne peut condamner l'autre donc bango ni bazali élément même nature vous comprenez donc ba congolais ba kené na ba distraction ya papa mbana ce sont des distractions il y a des vraies questions au za ko tala ba élection au ndeko Félix Antoine Tshisekedi a toujours il a tout planifié pour qu'à se pérenniser au pouvoir et nous et le peuple congolais aujourd'hui ba ko senga toujours consensus il faut la trouver tout autour il y a ba question ya CENI malgré tout ça nous devons trouver consensus parce que nous avons besoin des élections crédibles apaisé et transparent. Voilà, merci beaucoup. Nous pour la dignité à Bissouba Congoman. Nous avons besoin des élections crédibles et transparentes des commissaires mots de la fin pour clôturer Miss. Na PCO merci, na PCI Africa Cool Mobimbambote, pe voilà. ba téléspectateurs. Oui, ba téléspectateurs il y a Africa Cool. Moi c'est Michel Mangala, na si ba o ba yebinga, ba o pe ba yebinga te na se présenter. Nazali ko diriger éveil populaire nazali moko ya ba communicateur ya la muka et ndeko azali na posa ke to solo la koko komelanga voilà. Tout comme koko benganga akoki ko zwanga na plus 243 81 57 94 970 plus 243 81 57 94 970 à cause de moi, Michel Mangala, Nabande Gomesu Ndeba Komaka, je pense que nous partageons l'idée et l'idéologie. Il y a parti politique Nabiso Éveil Populaire et nous évoluons. Et Zanakati Alamouka. Tout ça, c'est Alamouka. Voilà. L'idée à Zanakati Alamouka. Merci beaucoup, Ndeko Michel. Nous avons dit que nous à l'invitation de Nabiso Mokolo Yalelo, malgré les multiples occupations, mais on dit quand même qu'on honore Biso et puis qu'on répondre à la question. Nabiso, merci à Igozola, à Rassima Kamira, à Janimba, à Nandile, à Montage. Merci Nabino Nyonso oyo bovanda rapenda bozwaka tant Nabino bo disposa ka tant Nabino pona kolanda biso et puis tant olandi émission ezate kolandi ka 2 minutes 3 minutes obandi ko bengo bandi ko loba makamo bo ezapenda na sans te prenez le temps ya kolanda quand même ne fisse que la moitié émission soit olandi émission ti na suka aprende obengi pona ko émettre point de vue na yo merci à vous tous merci na mamé Milinze mba mama musique na kati ya Londres merci à au pasteur douanier Sam Kangudi na kati ya Lufu voilà na kana frontière à Lufu balobi frontière à Lufu komi penza elengi makasi to mona ka ba photo ya avant et après nous espérons que cher Nabino toko kite la bino sur place na Mikolozoya poto la Sabino bongo ndenge misala isalami bi paiwana merci Nabino nyoso sincère condoléance au docteur Gigi Kintoki oyo penza a perdre petite sœur nae no condoléances à vous, papa Gigi. Tous êtes de cœur. Na yo, coupeur de penza ndeko. Au bovin de qui n'est pas mon corps. Et sa penza difficile à digérer. On va la continuer à vous abonner massivement. Bon, continuez à aimer et à partager la vidéo. Nabiso. Bye bye. À la prochaine. Mikolo Mizali Koya. Bye. Africa cool, et ben cool. Ouais. Africa cool, et ben cool. Le quoi cool ma topi. Ouais cool. Et sa chaîne y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et sa chaîne monko, bah quoi ça a bien nos confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyonan no bas souscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo balo bakaki. Boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zana Moana, massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
longo ya nabino mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Mm. Donc eza eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut na mona Africa Cool. Yo moni ba chaîne oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.